La nécessaire désobéissance, ce sera le thème de l'événement TEDx de Limoges le 17 décembre prochain à la Chambre de commerce. Mais un TEDx, comment ça marche ? Le TED est une licence américaine. Et en fait, il faut déjà montrer patte blanche pour obtenir le droit de le faire. Voilà, alors TEDx, c'est très normé, il y a 100 pages de ce qu'on appelle les guidelines, hein, des directives, donc c'est très très strict au niveau de l'utilisation de la marque, de la manière dont on le met en œuvre, etc., etc. Quelques minutes sur scène, les orateurs développent leurs idées, ils viennent de nombreux secteurs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'entrepreneuriat au sens large du terme qui est important chez TEDx. Donc on va avoir des profils qui vont être atypiques, mais souvent complémentaires, avec d'ailleurs un fil rouge tout le long du TEDx, des artistes, des chefs d'entreprise, des scientifiques, des chercheurs. On a même parfois certains TED où on a des étudiants. Donc l'idée est vraiment, on est vraiment dans quelque chose de très large. Faire le show n'est pas une obligation. Pour les intervenants, il faut s'être bien préparé effectivement et avoir envie de faire dépasser des messages de manière très très claire et très impactante. La thématique du spectacle me convient pas trop, mais c'est plus un moment de réflexion, en tous les cas, et de partage, parce qu'il y a une sincérité en fait, qui serait pas notamment le spectacle. Et l'objectif, c'est que les gens ressortent de la salle regonfler d'énergie positive. La soirée affiche déjà complet, les règles sont strictes, pas plus de 100 personnes dans la salle à Limoges, mais il y a un plan B. Ce à quoi TED nous oblige, c'est de filmer systématiquement toutes les interventions qui finissent ensuite sur TED Global dans YouTube. Et c'est aussi une chance, hein, pour tous les intervenants de finir et d'être mondialisés, d'être des stars. Il y a Philippe Lepeau l'année dernière qui a eu une expérience amusante à New York où il a rencontré des clients américains et quand il leur a dit qu'il avait fait un TED, il a tout de suite pris une envergure en tant que personnage beaucoup plus grande qu'il n'était. C'est monté et réalisé en direct. Donc c'est diffusé en streaming, comme l'année dernière on pourra le suivre en live. Donc, ce sera diffusé sur tedxlimoges.com. Une diffusion différée sera proposée notamment sur cette à Limoges.